Shalom Averim. Bienvenue dans la saison 2 de Fit et Foi. Je m'appelle Lirel Jumelfarb et je travaille avec Juifs pour Jésus. Je suis pasteur et instructeur de fitness. Vous nous avez peut-être déjà accompagnés dans la première saison de Fit et Foi pendant le confinement et je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième saison. Pourquoi Fit et Foi? Parce qu'on a envie d'être en forme physiquement et spirituellement. Dans cette saison 2, on a un format un peu différent. Trois rendez-vous par semaine. Premier, comme aujourd'hui, un entraînement court et intensif, environ 10 minutes, où on pousse un peu sur le cardio. Le mercredi, un petit tuyau, ça peut être comment faire un exercice, ça peut être l'alimentation, ou un petit tuyau que je vous donne. Un film très court, en direct. En fin de semaine, un entraînement plus complet, 45 minutes, avec du stretching. Donc, Fit et Foi, pour être en forme physiquement et spirituellement, ce sera 3 fois par semaine. Ok? On va démarrer. Je vous donne le verset du jour. Il y a toujours un verset, et jamais, et j'aime beaucoup ça. Celui du jour, c'est le psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. On s'échauffe? Allez, c'est parti, on marche. Et vous savez, je vous ai mis une musique qui me fait penser à l'Argentine. C'est du klezmer, mais enregistré à Buenos Aires. Freilich Cher. Ça dit que simplement, on danse, on est heureux. Voilà, vous découvrez un peu le yiddish, qui était la langue de mes ancêtres. Allez, on marche, on se chauffe. Levez-moi un peu plus les genoux. Important, souriez. D'accord? Allez, on continue. On lève bien les genoux, on marche sur place. Utilisez les bras. On lève encore un peu plus les genoux. Redressez-vous bien. Abdos légèrement contractés, les épaules basses. Éloignez-moi vos épaules des oreilles. Ok, on va continuer à s'échauffer. On va partir sur une petite course sur place. On court tranquillement. Alors regardez bien sur la pointe des pieds. Vous voyez latéralement, je suis sur la pointe des pieds. Je ne pose pas le talon. Quand on court sur place, posez pas le talon. On va essayer d'accélérer un peu. Redressez-vous bien, on accélère. On va accélérer encore un peu. Allez, souriez, on accélère encore pour bien finir de se chauffer. On accélère encore, allez, allez. On suit, levez les genoux. Levez-moi bien les genoux. Toujours, on atterrit sur la pointe des pieds et on sourit. Et on finit en talons-fesses. Voilà. Hop, on y va. Encore quelques instants. Ok, bien, on est chaud, on va partir sur l'entraînement. Ok, alors, premier exercice ce matin, squat sauté latéral. Regardez ce que ça donne. Je descends en squat, je saute et je descends. Première option, hop, on saute, ok. Deuxième option, on descend, on monte, pas latéral, on descend. Hop, hop. Et les options intermédiaires, si vous voulez, vous sautez un peu ou pas. Ok, option si c'est compliqué, sur la chaise, on se redresse. Ou c'est dans les talons pour vous dresser. Ok? Vous êtes avec moi? On y va? J'aime beaucoup cette chanson. Elle dit que l'Éternel, lui, il est assez fort, strong enough. Et nous, il nous donne sa force. Ok? Allez, go avec moi. On va sauter. Allez, hop, on s'accroche. On atterrit tranquillement, on amortit bien. Descendez pas trop sur le squat. Les fesses s'arrêtent à hauteur des genoux. On pousse pas trop les genoux devant. Et on sourit. On peut sauter plus ou sauter moins. Mais on y va. Allez, vite et froid. On va être en forme
physiquement et spirituellement. Strong enough. Le refrain dit qu'à travers le Messie, je peux tout faire. Ce n'est pas moi qui ai besoin d'être assez fort. Ok, dernier. Ok. Respirez un peu. On va passer au sol. Deuxième exercice. Classique, les pompes. Niveau 1, main sur la chaise. Redressez-vous bien. Rentrez légèrement le ventre. Les coudes écartent. On descend. Et on pousse. Doigts légèrement levés. On descend. Et on pousse. Niveau 2. Toujours à genoux. Main au sol, légèrement plus écartée que les épaules. Serrez bien les abdos. Descendez visage presque au sol. Et remontez. Encore. Niveau 2. Niveau 3. Hop. Pointe de pied. On se redresse bien. Et on descend. Visage presque au sol. Et on remonte. Vous choisissez votre niveau. On y va tranquillement. En bas, soufflez en remontant. En bas, en haut. On accélère un peu. En bas, en haut. En bas, en haut. En bas, en haut. Souriez. On va bloquer en bas. Restez. Restez. Remontez. On fait ça 5 fois, ok? En bas, bloqué. Remontez. En bas. Encore 2 fois. Avec moi. Restez. On monte. Dernier. Bloqué, bloqué. Restez. Remontez. Encore 3 fois. Très, très lent. Vous êtes toujours avec moi? Allez, go. On y va. Lent. Restez en bas. La chauffe. Remontez. Premier. On continue. Lent. On remonte. Dernier. Jusqu'en bas. Allez. Restez. Ok. Ouh. Réveillez toujours d'avoir quelque chose à boire. C'est important. Alors, on va combiner un exercice, le squat, mais on va le développer. Regardez. Alors, vous pouvez prendre un sac à commission, un sac à dos, des disques, 2,5, 5 ou 10, quelque chose que vous tenez dans les bras devant vous. Gardez-le bien plat. Mes jambes sont juste à la largeur des hanches, un tout petit peu écartées. 11h, 13h. Ok ? Je descends en squat et je pousse et je développe. Ok ? N'oubliez pas de sourire. En bas, en haut. Option avec la chaise. Hop, je mets le disque, je m'assieds et je pousse. Toujours en souriant. Vous êtes avec moi ? Vous êtes en place ? On y va ? Go ! Hop ! Hop ! En bas, et on développe. Là, c'est un travail complet. Du cardio, le haut du corps, le dos, les jambes. Option, si vous voulez, sur la pointe des pieds. Regardez ce que ça donne latéralement. Je descends, mes genoux ne sont pas trop en avant. Je pousse, je vais juste sur la pointe des pieds. Ou je reste normal. Mon disque, il reste plat. Et quand je le pousse, il est devant moi. Allez, hop, hop, sentez qu'il y a tout qui chauffe, le cardio qui monte, le sourire, on bosse, allez, j'inspire, j'expire, là c'est le cardio qui travaille, allez, encore 5, magnifique, continuez, restez avec moi. Le dernier. Restez en haut. Restez. 3,
2, 1. Restez en bas. Ok. Magnifique. J'aime beaucoup cette chanson. How great is our God. Combien Dieu, combien l'Éternel est magnifique. Ok, dernier exercice. Fente alternée. Les fentes. Un grand pas en arrière. Vous descendez le genou arrière droit au sol. Regardez mes jambes. 90, 90. Pour les Français, 90, 90. Et je remonte. Ok? De face. Un grand pas en arrière. Et je descends. Mon genou n'avance pas trop. Ma cuisse avant elle est plate. Main sur les hanches. Et j'alterne. Ça, c'est l'option facile. Alors, si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'en bas, pas de souci. Vous descendez moins bas. Mais si vous pouvez, vous descendez jusqu'en bas. Je vous parlais de fente alternée. C'est quoi? On saute en chaque fente. Regardez. Je descends. Hop. Et j'amortis. Hop. Et j'amortis. Poids réparti sur le talon et la pointe du pied. L'arrière est bien sûr, mon pied arrière, la pointe est élevée. Hop. Latéralement. Vous êtes avec moi, on peut déjà s'y mettre. Hein. Allez, on descend et on tourne. Ne pas glisser. Hop. 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 Ok. Allez, on continue. On essaie d'en faire 4 de chaque côté. Yallah, Averine. On y va, les amis. Hop. Allez. Laissez la musique vous porter. Allez, encore 2 de chaque côté. On s'accroche. Dernier. Ok. Bravo. Vous étiez magnifique. On respire un bon coup. Vous étiez super. Bravo. Vous êtes bien donné. Je ne sais pas si vous êtes aussi essoufflé que moi. En tout cas, là, les fentes alternées pour le cardio. Waouh. Ok. Moi, je vous retrouve mercredi pour un petit tuyau. Et la 3e séance de la semaine, vendredi, plus complète. Mais on finira par des bons étirements. Laissez tranquillement le souffle descendre. N'oubliez pas de sourire. Ressentez votre corps. On a bien travaillé. Et je vais vous laisser encore avec le verset du jour que j'aime beaucoup. Psaume 139, verset 14. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Je le reconnais bien. Et le psalmiste parlait aussi de vous. Oui. Il loue l'Éternel que vous, vous êtes une créature si merveilleuse. Les œuvres de l'Éternel sont admirables. Il nous faut bien l'admettre. Vous êtes génial. Shalom, shalom, Averim. À mercredi. Ciao.